Le garçon est plus gentil que la fille. Mais comment on sait qui est le garçon et qui est la fille? Si c'est la courbure du corps, il y en a, ils se courbent vers la gauche et ils se courbent vers la droite. Alors voilà, ça c'est facile, regardez, réveillez-vous. Regarde, je recommence. Voilà, je me suis penché d'un côté ou de l'autre. Du côté où je me penche, je me suis pas d'abord penché au garçon, donc je me recommence du côté où j'avais placé le garçon. Mais... Ah oui, comment fait-on? Des pointillés en dessous. Des pointillés en dessous. So, how do you mark that? The right lower, and then trace a line. Which represents the mount I'm in here, present throughout the second. What you're doing with the second hand, it's written below. So the line, so there's a secondary line. Okay. Secondary line in which he is glosses. And this is used for non-dominant hand. And the extent to which the dominant and non-dominant hand, a straight line, not a dotted one. Et pourquoi on a... Pourquoi est-ce qu'on a écrit? Ok, d'accord. Ça serait la main... D'accord. Mais on ne note pas le mouvement de tête. Non, main mount. So above the main glosses. So shift. So shift A, shift B. Head. Tilt. Head turn. Tilt. Head. Tilt is something like. Yeah. This would be head turn or head. Is it you get? Sorry. Would you mind running? Yeah, sure. Profiter de quelqu'un qui a l'expérience. G, c'est gauche, c'est ça? Ah oui. Lisa, je peux vous demander de vous écarter de pour qu'on merci. Ok, G, gauche, D, droite. Okay. Et c'est quoi l'indice sur le... Ça doit être un A. IX. A. Oh, I don't know what you say. Garçon. Ah, c'est... Très bien.